Vous allez? Restez assis, s'il vous plaît. Ça existe des couches, madame. Faut que je vous parle de mon père, Mohamed Badouri. Tout un personnage. Là, il me regarde puis il fait vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Vas-y. Rira bien qui mourra le premier. Tu vas voir, salopard. Vas-y. Mon père fait des lapsus. Il mélange des mots parce que ça sonne pareil puis il pense que ça veut dire la même chose. Il peut venir te voir dans une chaude journée d'été et te dire, t'as vu comment il fait chaud? C'est la clavicule. En anglais, c'est pire. On part étant jeune, toute la famille, on voyage aux États-Unis, on s'en va à Cape Cod, hein? Et puis, on arrive près de la douane et j'avertis mon père. Je dis, papa, laisse-moi parler aux douaniers en anglais. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Très tête dure. Non! Laisse-moi faire. I speak to 5460, I understand. Il voulait rien savoir. Je dis, papa, laisse-nous parler en anglais aux douaniers. Je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 traversent aux States. C'est ça qui est écrit à côté de louche dans le petit Larousse. Tu comprends? Mais. Il voulait rien savoir. On arrive. Le douanier demande d'ouvrir la fenêtre. Dans ce temps-là, c'est... Where are you going? Cape Cod, mon ami. Where are you from? Cape Cod, mon ami. Are you making fun of me, sir? Et je te jure, mon père, il dit, oh, baby, yes, baby, no. Rachid, pourquoi il sort son gant de caoutchouc? Qu'est-ce qu'il va faire avec... Et là, on a cherché la plage. La plage. On voulait aller se baigner à la plage. Pendant 4 heures, on trouvait pas la plage dans une ville entourée d'eau, OK? On l'a cherché jusqu'à ce que mon père s'énerve, sort de la voiture en plein milieu de la route. Il va voir une madame policière qui fait la circulation. Madame! Madame, viens ici, madame, merde, viens ici. Dépêche-toi. Where is the beach? You know, the big beach. I want to sleep on the beach. You don't know? You don't know the beach? It smells like fish. No, no, c'est pas vrai. Une chance qu'on a pas un close-up sur mon père. Va chercher un couteau, va chercher un couteau, va. Pourquoi je vais vous parler de mon père? Parce qu'il est rendu populaire. C'est grave. Ça commence à dépasser ma popularité. Ça m'énerve. Je veux pas vivre dans l'ombre de mon père. À mes shows, les gens attendent pour des autographes. Une madame qui arrive avec sa petite fille. Mohamed n'est pas là, Rachid? Non, moi je suis là. Tu veux une photo avec lui? Ah oui, mets-toi à côté, là. C'est incroyable! On se promène dans la rue, mon père et moi. Deux petits jeunes yo viennent nous voir. Yo, Badouri, man! Je fais comme, yo, what's up? Yo, pas toi, yo, Momo, man! Shit. What's up, Badouri? Shit. Yo, Momo, tu torches ton fils! Bra, bra, bra! Mon père, au lieu de me consoler, il me regarde et dit, t'as vu comment je t'ai torché? Bra, 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 t'as vu, salopard!